dans la forêt. Le lendemain matin, lorsque le monstre Trimobé se réveilla, et il le trouva vide. Où te caches-tu? Je vais te trouver! Oh là là! Se dit la souris qui observait la scène depuis sa cachette. Mais c'était sans compter, sans le flair. Et il vit de fait de retrouver la trace de la fillette, car il avait un flair remarquable. Mit la fillette à l'abri du monstre. Ouf, se dit Rafara, je suis sauvée. Non ! Elle n'était pas sauvée, car le monstre avait une bouche énorme et il commençait.